Invité de chez Jordan, le fameux chroniqueur de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire, avoue projeter de déménager dans le sud de la France pour rejoindre la femme qu'il aime. Une belle preuve d'amour. Jean-Michel Maire, bien connu des fidèles téléspectateurs de Touche pas mon poste, est l'invité de chez Jordan. Dans un extrait que Télé Loisirs révèle en avant-première, le journaliste de 61 ans, se confie sur sa vie sentimentale et assure même avoir pris une grande décision. Questionné par Jordan Deluxe, il explique en effet, « Je suis en couple, fidèle et très amoureux. » Si est-ce une histoire qui s'est écrite sur une dizaine d'années. Si est-il la femme que j'aime. Et il semble prêt à lui démontrer. Je vais sûrement la rejoindre. Jean-Michel Maire, qui dévoile d'abord pourquoi cette relation a connu des hauts et des bas, ça fait 10 ans que l'histoire est compliquée parce que, voilà. La télévision ce n'est pas forcément un milieu facile pour le conjoint, parce qu'il y a toujours un jeu. En plus moi, j'avais un personnage de séducteur, donc elle avait l'impression, presque toujours à tort, que j'étais amoureux des invités ou des chroniqueuses. Ce qui était complètement faux, parce que moi, je ne pensais qu'à elle. Donc ça a créé des frictions, qui ont fait qu'on s'est séparés puis remis ensemble, il confie que sa chérie, dont il préfère taire son prénom afin de protéger son anonymat, habite dans le sud de la France. Une région qui sera bientôt la sienne également, je suis très amoureux et je vais sûrement la rejoindre dans le sud, annonce-t-il au présentateur, un peu surpris. On est en train de regarder les appartements à Sainte-Maxime, un déménagement pourrait être très rapide, j'espère partir le plus tôt possible. Dans un mois, en janvier 2023, ou même Noël 2022. On est en train de regarder les appartements à Sainte-Maxime. Mais si on m'appelle, je suis là. Si est-il à une heure d'avion, assure Jean-Michel Maire, qui ne cache ne plus avoir de très grandes attaches à Paris quoi qu'il en soit, je ne trahis aucun secret en disant que je ne travaille plus beaucoup. Je ne mène plains pas mais si est-il vrai. Je n'ai plus besoin d'être autant à Paris. Déjà je gagne beaucoup moins d'argent, explique l'homme de 61 ans qui avoue ne plus pouvoir se permettre de louer dans la capitale, je gagne 2000 à 2500 euros par mois, avec un loyer de 2000, si est-il difficilement jouable, constate-t-il. À lire aussi Jean-Michel Maire autrefois en couple avec Kenza de Loft Story, la grosse mise au point du chroniqueur de TPMP People sur leur relation. Retrouvez les intégrales de chez Jordan du lundi au vendredi sur C8 à 9h10.